Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'était comme... ça peut pas arriver. C'est des choses... C'est quoi ça? C'est des choses qui arrivent dans des films. Il serait parti 5 minutes plus tard, puis ça serait pas arrivé. Est-ce qu'on peut prévenir ça? Un accident, c'est si vite arrivé. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé puis Kevin était à l'hôpital. Donc, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, c'est un accident. Je pense que ce groupe de jeunes-là avait pas une problématique de violence particulière. Quelques-uns de ces jeunes-là, oui, faisaient de l'attitude, se donnaient un air de bombe, mais c'était pas des jeunes criminels. Le dimanche 6 décembre 2009, à Québec, Kevin Duquet, un adolescent de 17 ans, monte dans un autobus accompagné d'amis. On venait de se faire envoyer un petit message MSN, puis je le taquinais, fait que je dis « viens donc souper à la maison » et tout ça. Fait qu'il me dit « non », fait que je demande « pourquoi ?» Puis là, bon, je voyais bien les petites réactions d'adolescents. Fait que j'ai su que c'était fait une nouvelle petite copine qui allait le rejoindre vers 4h ou 5h. Fait que moi, j'ai su que j'aurais, ben, j'emmène la petite copine, tu sais. Ça n'a pas marché, mon affaire. Donc, vers 4h, j'ai dit, rappelle-moi puis dis-moi si tu viens avec ou pas. Kevin et ses amis prennent place à l'arrière de l'autobus où se trouve Jonathan Dulac, un jeune homme de 19 ans. Pendant le trajet, une banale dispute se déclenche entre la bande de Kevin et Jonathan. Mais à leur sortie de l'autobus, l'incident tournera à la tragédie. Vers 16h, le 6 décembre 2009, le service de police de Québec reçoit un appel d'urgence. Une personne est grièvement blessée au terminus d'autobus Les Saules. Immédiatement, quand le service de police reçoit un appel comme ça, c'est les patrouilleurs qui sont attitrés au secteur, qui se rapprochent les premiers et qui vont voir l'événement, qu'est-ce qui est arrivé, entre autres. Des policiers se dépêchent sur les lieux et découvrent un jeune homme étendu par terre. Dans la confusion, des témoins tentent de leur raconter ce qu'ils ont vu. Les personnes croient que la victime a reçu un coup de couteau dans les jambes au niveau des artères parce que ça saigne abondamment. Et c'est par la suite que la victime s'affaisse sur le sol. Et là, les personnes disent qu'elle est tombée inconsciente. Les ambulanciers transportent le blessé au centre hospitalier de l'Université Laval à Québec. Par la suite, les policiers sur les lieux, leur devoir, c'est de protéger la scène de crime. Donc, eux font un périmètre pour s'assurer que la scène ne soit pas contaminée par des personnes qui n'ont pas d'affaires là inutilement. Et également de conserver les éléments de preuve qui leur sont montrés et de conserver les témoins qui sont sur les lieux, qui ont vu certaines choses, pour qu'ils soient par la suite rencontrés par les enquêteurs ou par d'autres policiers là, pour obtenir leur version des faits. Avec les différents témoignages recueillis, les enquêteurs parviennent à établir les profils des protagonistes impliqués dans l'affaire. Kevin Duquet et Jonathan Dulac. Jonathan Dulac est né le 28 janvier 1991. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Son père travaille dans le domaine de l'aviation et sa mère fait carrière dans l'armée canadienne. Ils inculquent à Jonathan et à ses sœurs le respect d'autrui dès leur plus jeune âge.
Jonathan profite d'un amour inconditionnel et d'une attention soutenue, ce qui lui procure un grand sentiment de sécurité. Mais l'enfant est brutalement confronté à une autre réalité dès qu'il entre à l'école. Des fois, il arrivait à la maison, il manquait des crayons, il manquait des effaces. C'est pas grave, on en redonnait d'autres, puis je me disais, il s'amuse avec ses amis. À l'école primaire, des jeunes semblent identifier Jonathan comme une cible idéale. À un moment donné, il est arrivé, il avait plus d'étui à crayon. J'ai demandé, qu'est-ce que tu... Je sais que tu perds des affaires, mais là, les étuis à crayon. Ah, il dit à quelqu'un qu'ils se l'ont tiré, puis ils ont commencé à se le passer dans le passage, puis j'ai jamais revu mon étui. Bon, c'est des petites choses, peut-être un peu anodines, mais si ça arrive tous les jours... Une des techniques des intimidateurs est de mettre au défi leurs victimes de porter plainte à la direction de leur école ou à leurs parents. Le silence de ces derniers encourage ainsi les élèves mal intentionnés à augmenter la fréquence et l'intensité de leur harcèlement. Jonathan, il a bien caché ses ressentiments quand il était plus jeune parce que, sincèrement, je l'ai pas assez détecté. Puis pourtant, souvent, j'ai demandé à mes enfants, souvent, est-ce qu'il y a de l'intimidation à l'école? Est-ce qu'il y en a qui vous font peur? Est-ce qu'il y en a qui vous dit quelque chose? Régulièrement, s'il y a quelque chose, il faut qu'on le dise. Malgré leur vigilance, les parents de Jonathan ne se doutent pas que leur garçon est victime d'intimidation. Durant les années suivantes, Jonathan et sa famille déménagent à plusieurs reprises. De nouvelles adresses et de nouvelles écoles qui offrent autant de nouveaux départs pour le jeune garçon. Mais le manège se poursuit. Même s'il n'est pas quotidiennement soumis à l'intimidation, chaque matin, Jonathan se lève maintenant avec l'appréhension de ce qui l'attend à l'école. Il y a plusieurs sortes de victimes d'intimidation. Il y a des victimes qui vont en parler, il y a des victimes qui n'en parleront pas. Dans le cas de Jonathan, ce qu'on constate, c'est qu'il n'en a pas parlé à sa mère. On peut penser que c'est à ce moment-là un enfant qui, lorsqu'il a été victime d'intimidation, avait lui-même l'impression qu'il la méritait. Ou il avait lui-même l'impression qu'on pouvait facilement rire de lui parce qu'il y avait des choses chez lui, soit physiquement, soit dans sa personnalité, qui pouvaient amener le rire d'autrui et dont lui-même n'était pas fier. Avec le temps, l'intimidation dont Jonathan est victime s'accentue et prend une nouvelle forme. À une occasion, il est contraint de participer à une activité où il se fait humilier. Ses camarades d'école l'invitent à prendre part à Vérité ou Conséquence, un jeu cruel où, tour à tour, les participants doivent choisir entre répondre à une question embarrassante ou relever une épreuve pénible. Mis sous pression, il doit toujours choisir la conséquence. Les jeunes frappent alors Jonathan, qui devient la risée de tout le monde. D'en parler avec sa mère, c'était reconnaître qu'il y avait quelque chose qui était risible. Alors, pour se protéger, et c'est complètement le contraire qui s'est passé, mais il a cherché à se protéger en ne racontant pas qu'on avait ri de lui. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a pu faire en sorte que la situation perdure. Une dizaine d'années plus tard, en ce jour fatidique du 6 décembre 2009, Jonathan, alors âgé de 19 ans, monte dans un autobus. Les souvenirs de son enfance semblent lointains dans son esprit. Un groupe de jeunes intimidateurs raviveront pourtant ses pires craintes. Reconnaîtront-ils en lui la cible qu'il a toujours été? Jonathan Dulac sera-t-il à nouveau victime? En 2009, après avoir été marqué par l'intimidation durant son enfance, Jonathan Dulac, maintenant âgé de 19 ans, prend place à l'arrière d'un autobus. Il prend son cellulaire pour contacter un ami. Quelques instants plus tard, Kevin Duquet et ses amis montent dans le même autobus. Jonathan Dulac était en discussion téléphonique sur un cellulaire avec un de ses amis et parlait de un peu n'importe quoi. Et Kevin Duquet s'est mêlé de cette conversation-là. Je connais très bien Kevin. Je peux même voir la scène, même si j'étais pas là. Kevin, il a pris le même autobus que Jonathan Dulac. Puis malheureusement, il était assis à ses côtés. Un à côté de l'autre.
Kevin Duquet naît le 5 novembre 1992 à Québec. Cadet de la famille, il a une sœur avec qui il entretient de très bons liens. Dès son plus jeune âge, Kevin montre plus d'intérêt pour les sports que les études, préférant les bancs des patinoires locales à ceux de son école. Kevin, c'était un petit clown. Ça a toujours été en se réveillant le matin, en sourire, en taquinant sa sœur. À l'école, la même chose. Il faisait tout pour faire rire le monde, finalement. Personne très sensible. Très humain aussi. Très sociable. Il aimait beaucoup les gens. Kevin est de moins en moins motivé par les études. Au secondaire, elles occupent une place lointaine dans ses priorités. Il préfère flâner avec ses amis et profite de la moindre occasion pour s'évader avec eux et délaisser ses cahiers d'exercice. En 2006, alors qu'il étudie en secondaire 3 dans une polyvalente d'Ancienne Lorette, à l'ouest de Québec, Kevin décide d'abandonner l'école. Non, il n'aimait pas l'école. Il avait hâte de finir l'école pour soit faire de la mécanique ou dernièrement, les derniers mois, je pense qu'il voulait être opérateur de machinerie lourde. Moi, je détestais l'école et je pense que son père n'aimait pas plus ou moins l'école aussi. Ses parents n'ont donc d'autre choix que d'accepter la décision de Kevin et lui offrent tout le support qu'ils peuvent. Faisait de la mécanique comme son père, fait de la menuiserie, je lui ai appris à faire de la menuiserie, en fait, le patio, le cabanon, peu importe ce qu'on faisait, il voulait y participer. Peut-être très, très, très manuel. Vrai bout en train, il n'hésite pas à s'amuser aux dépens d'inconnus et même à les intimider pour faire rire ses amis. Les parents de Kevin connaissent le caractère plutôt impertinent de leur fils. Mais ils y voient surtout une façon d'attirer le rire et l'attention. Kevin ne faisait pas ça pour faire du mal. T'sais, il était jeune, on passait un commentaire. Même au hockey, il a commencé à jouer au hockey. Quand il voyait qu'il n'avait pas le dessus, il pesait 90 livres mouillés, il jouait au hockey, il se poussait dans les bancs, il avait peur. Mais c'est sûr qu'il passait des commentaires. Puis là, l'autre, quand il se mettait à patiner après pour le prendre, Kevin se mettait à courir et puis il faisait rire tout le monde. Mais c'était comme son but premier de faire rire le monde. Et souvent, on voit des intimidateurs qui ne sont pas des grosses brutes épaisses. Ce sont des gens qui utilisent l'intimidation pour maintenir leur cote de popularité, pour maintenir leur statut à l'intérieur de leur groupe de pairs. À l'occasion, Kevin et ses amis fument de la marijuana et boivent de la bière. Ils se rejoignent alors au terminus Les Saules, tout juste à l'arrière de la Maison des Jeunes, où la consommation de stupéfiants et d'alcool est interdite. Que leur présence pouvait intimider d'autres jeunes, le fait qu'ils soient là sur le terminus Les Saules, ça pouvait intimider d'autres jeunes ou même des adultes, des citoyens. Par contre, je pense pas que leur intention était nécessairement d'intimider les gens. Puis il est possible que quelques-uns d'entre eux aient intimidé d'autres jeunes dans le passé. Kevin ne rate pas une occasion de se faire valoir. Souvent, ses amis et sa famille trouvent qu'il en fait trop et l'avertissent de ne pas aller trop loin dans ses insolences. Il trouvait ça drôle, mais j'ai dit, Kevin, un jour, tu vas tomber sur quelqu'un et tu vas passer un commentaire banal comme ça, puis tu vas manger une claque sur le nez. Puis ça va arriver. Mais l'adolescent fait fi de la mise en garde de ses proches, sans se douter des répercussions de son comportement provocateur. Les jeunes ont tendance à ne pas percevoir la gravité que l'intimidation peut avoir. Je ne sais pas si ce groupe-là, en particulier, intimidait des gens intentionnellement. Mais ce que je sais, c'est que la plupart du temps, quand des jeunes intimident d'autres jeunes, ils n'ont pas conscience de la gravité de l'impact que ça peut avoir sur la personne qui en est victime. Le 6 décembre 2009, Kevin Duquet monte dans l'autobus avec ses amis. Le groupe se dirige vers l'arrière de l'autobus. Ils sont bruyants. Kevin est alors intrigué par la conversation de son voisin, Jonathan Dulac, qui semble être en train de conclure une transaction de drogue. C'était des propos lâchés au téléphone, peut-être pour se valoriser, démontrer de l'importance dans l'autobus, puis narguer les autres, peut-être qui étaient alentour de lui en montrant que c'était quelqu'un d'important, puis tout ça.
Mais l'enquête a démontré qu'il n'y avait jamais eu des propos réels tenus à l'effet d'une future transaction de drogue ou d'un trafic de stupéfiants. C'était complètement canular, là, puis c'était une histoire inventée dans l'autobus. Là. Kevin s'immisce dans la conversation. Il suggère à Jonathan la manière de négocier sa présumée transaction de drogue. Kevin Duquette prend part à la conversation et mentionne M. Dulac qui est à côté de lui. Ben, dis-lui qu'il vienne faire ça par avion, là, où il lâche une joke aussi concernant ce trafic de drogue potentiel qui se passe par téléphone. Et embarque à la discussion et dit à M. Dulac d'arrêter de parler de ça, que ça l'énerve. Le ton monte rapidement entre les deux jeunes hommes. Après seulement quelques instants, Kevin invite Jonathan à se battre à leur sortie de l'autobus. Il m'a dit que les jeunes y avaient dit « Tu seras pas le premier, t'es le troisième cette semaine qu'on passe à tabac, puis regarde, tu vas y passer aussi. » Jonathan se dirige alors vers l'avant de l'autobus, dans l'espoir d'éviter la confrontation. Mais Kevin et sa bande le devancent et sortent avant lui. Jonathan tente de passer à côté du groupe quand Kevin le rattrape. Ce que personne n'a vu, c'est qu'un des jeunes a caché un couteau dans la manche de son manteau avant de sortir de l'autobus. Canal D, une division de Bell Media. Le 6 décembre 2009, Kevin Duquet, reconnu pour son tempérament provocateur, et Jonathan Dulac, victime d'intimidation durant son enfance, ont une confrontation dans un autobus. Kevin ne se gêne pas pour s'en prendre verbalement à des inconnus. Mais il ne sait pas à qui il a affaire quand il se moque de Jonathan. Jonathan est intimidé par Kevin et la présence de ses amis. Profitant d'un moment d'inattention, il sort un couteau. Dans l'autobus, M. Dulac avait préparé son couteau. Les couteaux étaient dans un sac au préalable. Il avait sorti le plus grand couteau, qui est un couteau de boucherie, l'avait placé dans son poing et dans sa manche et l'avait dissimulé. Prêt à toute éventualité, Jonathan se dirige vers l'avant de l'autobus. Oui, il l'a mis dans sa manche parce qu'il avait peur de se faire piquer avec ou que la gang de jeunes saute dessus puis qu'il arrive de quoi de dangereux avec les couteaux. À ce moment-là, je peux pas dire si Jonathan y avait l'idée de s'en servir ou de leur faire peur ou quelque chose du genre. Il m'a jamais dit ça, en tout cas. Une fois rendu au terminus d'autobus Les Saules, la version des témoins qui est à l'intérieur voit M. Duquette sortir de l'autobus en premier. Kevin rejoint ses amis à l'extérieur, alors que Jonathan tarde à descendre, espérant éviter la confrontation. Anxieux, Jonathan descend enfin et s'éloigne du groupe. Mais Kevin le pousse pour le défier. Jonathan est pris de panique. Il se retourne et le darde d'un geste rapide. L'action est si précipitée que personne ne remarque l'attaque au couteau. Et c'est à ce moment-là que les témoins nous mentionnent que Jonathan Dulac s'est retourné d'un mouvement brusque et aurait frappé d'un coup de poing au niveau du thorax M. Duquette. Jonathan prend immédiatement la fuite et se réfugie dans un autre autobus. Kevin s'approche de la maison des jeunes qui jouxte le terminus d'autobus. Il enlève son manteau et découvre qu'il est gravement blessé. C'est alors que tous remarquent la grande quantité de sang qu'il est en train de perdre. Et le couteau s'est inséré directement là, au niveau du cœur et a frappé en plein thorax ou en centre-masse là, le plus possible, un coup de couteau franc au niveau de la sixième côte et la septième côte.
L'état de Kevin se détériore rapidement et ses amis commencent à s'affoler. Il tombe en arrêt cardiaque. Des témoins de la scène contactent alors le 911 et tentent de lui porter secours. Tout de suite après l'altercation, M. Dulac prend la fuite. Il se dirige dans un autre autobus qui est là, l'autobus numéro 80, monte à l'intérieur de l'autobus. Certains amis de Kevin ont remarqué que Jonathan s'est réfugié dans un autre autobus et s'en approche pour l'en faire sortir. Découvert, il sort de l'autobus et réussit à prendre la fuite juste au moment où les premiers patrouilleurs arrivent sur place. Les policiers sont arrivés sur les lieux après cet événement-là. Lui se sauve et après ça, on perd sa piste, là. Donc, les policiers, eux, ce qu'ils font dans ce temps-là, étant donné que c'est un événement et un crime grave, communiquent avec leurs supérieurs. La section des crimes graves du SPVQ prend le contrôle de la scène de crime. Quand je suis arrivée sur les lieux ce soir-là, il y avait déjà de nombreux policiers sur la scène de crime et d'autres policiers qui interrogeaient les personnes témoins. C'est un policier qui, à mon arrivée, m'a expliqué que je ne pouvais pas accéder à mon bureau parce que il y avait eu une scène de crime sur le terminus Les Saules. Entre-temps, les ambulanciers transportent Kevin au centre hospitalier de l'Université Laval. Son état est critique. Les médecins découvrent qu'un de ses poumons et que son péricarde, l'enveloppe entourant le cœur, sont atteints. On alerte les parents de Kevin. Ils accourent au chevet de leur fils, mais ignorent encore la gravité de la situation. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé et que Kevin était à l'hôpital. Donc, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y a, c'est un accident. Puis, la première chose que j'ai pensée, c'est... Il a mangé une volée ou bien il a fait un accident de scooter. C'est les deux choses qui m'ont passé par la tête. Il dit, je sais pas. Ils n'ont rien voulu me dire. Il est au CHUL à Sainte-Foy. Sur la scène de l'agression, les enquêteurs continuent la recherche d'indices pouvant les mener à l'assaillant. Souvent, ce qu'on fait dans le début d'une enquête, on enquête la victime, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui lui en veut ou les relations dernièrement qu'il y a eu avec certaines personnes. On n'avait rien concernant M. Duquette qui pouvait nous amener à un suspect potentiel. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement, de toute évidence, ils étaient en état de choc. Ils avaient de la difficulté à trouver les mots pour exprimer ce qu'ils vivaient. Grâce aux indications des différents témoins, ils recueillent plusieurs preuves sur le terrain. Entre autres, des traces de pas et un couteau qu'on a trouvé plaire d'une résidence qui appartenait au suspect potentiel parce que c'était non loin des pistes qui partaient du terminus Les Saules. Jonathan se serait départi de l'arme du crime non loin du terminus d'autobus Les Saules. À l'endroit où il a planté son couteau, les enquêteurs découvrent également son manteau, caché derrière un arbre. Les enquêteurs perdent ensuite les traces du suspect. Ils ont en main d'importants éléments de preuve. Mais parviendront-ils à retrouver l'agresseur de Kevin Duquet? Le 6 décembre 2009, à Québec, Jonathan Dulac poignarde Kevin Duquet à la sortie d'un autobus. Jonathan s'enfuit, laissant des éléments de preuve derrière lui. Kevin, lui, est transporté d'urgence à l'hôpital, où l'on craint pour sa vie. Le téléphone a ressonné, donc c'était le père de Kevin qui me demandait en criant « T'es où? » Et je m'approchais de l'urgence, je voyais le nom urgence et je voyais le 90 degrés corridor. Fait que j'ai dit « J'arrive, calme-toi. » J'ai dit « Pis, qu'est-ce qu'il y a? » Fait que il m'a crié tout haut « Kevin est mort. » Kevin Duquet meurt des suites d'une importante hémorragie interne. À 18h, 2 heures après l'incident, la mère de Jonathan le découvre chez elle en forte discussion avec sa sœur. Elle ne comprend pas le sujet de leur différend et demande des explications à sa fille. Puis il écoutait les nouvelles à la télévision. Puis là, ma fille a dit « Maman, il y a un petit gars qui est décédé au terminus Les Saules. »
Puis là, ben Jonathan, il dit, ben voyons, c'est impossible. C'est quoi? Il a reçu un coup. Oui, je pense qu'il a reçu un coup, mais il est décédé. Fait qu'il dit, ben non, c'est impossible. Il peut pas être décédé s'il a reçu juste un coup. Jonathan réalise alors que quelques heures plus tôt, lors de l'altercation entre lui et Kevin, le coup de couteau qu'il lui a donné a été fatal. Jonathan Dulac n'arrive pas à concevoir qu'il vient de tuer Kevin Duquet. Sous le choc, il demande à sa mère de l'emmener voir sa copine. Il était bouleversé, puis j'ai dit, bon, ben, prends ton bagage, on va y aller. Il dit, je vais te raconter en roulant. Mais même en me disant ça, j'ai eu aucun soupçon, là, aucun. J'ai embarqué, puis je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il allait me raconter. Je voyais aucun rapport avec ce qui venait d'arriver aux nouvelles. En route, Jonathan raconte à sa mère en détail les événements qui viennent de se produire. J'ai pas posé beaucoup de questions parce que je comprenais pas, puis je réalisais pas non plus, loin de là, c'était quelque chose d'impossible. Puis j'ai dit, voyons, je comprends pas, je voulais qu'il m'explique. Fait qu'il m'a expliqué, il dit, j'espérais, il dit, j'avais dit à Kevin, je veux pas me battre, je veux sortir, puis je veux pas me battre. Puis il dit, j'espérais qu'il me toucherait pas, qu'il me laisserait tranquille, puis que je m'en irais peinard avec mon couteau dans ma manche, puis que j'allais réussir comme ça. Mais il dit, il est arrivé par en arrière, puis il dit, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas eu le temps de penser, ça s'est fait tellement vite. Il dit, j'ai donné un coup, puis il dit, là, il dit, ça a fait comme dans un film, comme au ralenti. Le geste de Jonathan était extrême. Et c'est un geste de protection. Il a réagi à une agression verbale et physique très légère que, dans sa tête à lui, il lui a donné des proportions incroyables. Et à ce moment-là, il a réagi en fonction de la proportion que lui a donnée à ces gestes-là et non pas en fonction des gestes réels qu'il a reçus. Parce que quelqu'un qui nous insulte, on va lui répondre en l'insultant, à la limite, pas en lui donnant un coup de couteau. Affolé, la mère de Jonathan n'arrive pas à croire ce que son fils lui raconte, jusqu'à ce qu'il passe devant la scène du crime. On passait à côté, puis il était assis à côté de moi. Puis il dit, maman, on est peut-être mieux de pas arrêter, c'était la lumière rouge. J'ai dit, voyons, on va pas en plus passer sur la lumière rouge. Là, je comprenais pas, j'étais tellement... Puis on pleurait tous les deux dans l'auto, j'arrivais pas à comprendre trop, mais je continuais. La mère de Jonathan le laisse au centre hospitalier Saint-Sacrement, où sa copine est hospitalisée. Il tient à passer ses derniers instants de liberté avec elle. Quelques heures plus tard, il contacte sa mère pour aller se livrer aux autorités. C'est vers 11h30 le soir que le suspect s'est présenté à la centrale du Parc Victoria, accompagné de sa mère et d'un avocat également, pour venir se livrer concernant l'événement qui s'était passé le plus tôt dans la soirée. Les personnes ont été rencontrées par des enquêteurs différents et le suspect, lui, a été placé en cellule en attendant qu'une équipe d'enquêteurs ait le rencontré. Le lendemain matin, à 5h30, deux enquêteurs amènent Jonathan dans une salle d'interrogatoire. C'est une entrevue qui dure quand même près de 3 heures. Où, en entrée de jeu, les enquêteurs, bien entendu, posent des questions pour avoir le plus de bagages possible concernant sa vie, ses antécédents, comment ça se passe. Les policiers découvrent que Jonathan a lui-même été longtemps victime d'intimidation, jusqu'au jour où, en 5e année, il a décidé de réagir. Cette fois-là, il décide de se défendre en se jurant que plus personne n'aura ce genre d'emprise sur lui. Il comprend alors qu'il y a deux camps, celui des agresseurs et celui des victimes. Jonathan entre au secondaire avec ce lourd bagage. Avec le temps, il se forge une identité un peu marginale. De nature timide et réservée, il préfère la solitude à la compagnie de ses pairs. En 2005, les parents de Jonathan divorcent. L'adolescent prend très mal cette séparation et se désinvestit des relations familiales. Il commence alors à fumer régulièrement de la marijuana et à boire de l'alcool. Il déambule parfois de longs moments, seul dans la rue.
Lui, ce qu'il voulait, c'est aller vivre dans le bois seul avec sa conjointe, puis tuer ses propres animaux pour survivre. Il avait mentionné à ses parents qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde sur la Terre, qu'on devrait en éliminer. D'aller vivre dans le bois, de se retirer de la société, c'était assurément un signe qu'il en était rendu à considérer l'ensemble de la société comme étant menaçante pour lui et qu'il préférait s'en retirer. Jonathan semble, dans son parcours, un peu jeune pour prendre ce genre de décision-là, ce qui fait qu'on peut penser que sa santé sociale était relativement en mauvais état au moment où il annonçait ce type d'intention-là. Il est probable que Jonathan aurait pu bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant, quel qu'il soit, un intervenant en milieu scolaire, un travailleur de rue, un intervenant en maison de jeunes. Je pense que tous les jeunes devraient pouvoir bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant pour cheminer au travers des épreuves auxquelles il fait face ou des défis auxquels il fait face. La mère de Jonathan perçoit sa détresse et tente de l'aider en s'intéressant à son univers. Elle participe même à un jeu médiéval où Jonathan semble trouver refuge. C'est un monde de role-play, c'est un monde théâtral, c'est un monde où ils sont en marge de la société, où ils sont en reclus un petit peu et où ils vivent, tout va bien, tout est beau. Puis je pense que quand ils vivaient dans ces mondes de fin de semaine-là, peut-être que c'est ce qu'ils auraient voulu pour vrai. Malgré les tentatives de rapprochement de sa mère, Jonathan se fait de plus en plus distant. Il commence alors à squatter chez des gens qu'il rencontre. Et lorsqu'il revient chez sa mère, son attitude est des plus cavalières avec elle. Sans jamais user de violence directement contre sa mère ou ses sœurs, Jonathan n'hésite pas à briser des objets pour manifester sa colère. Les signes que Jonathan voyait étaient plus des signes de détresse personnelle que des signes de violence à venir. Cette détresse-là se manifestait de façon violente, mais se manifestait rarement ou jamais envers des individus. Il lançait des objets, il criait, il tapait du pied, il frappait dans des murs. En secondaire 4, les problèmes de Jonathan se répercutent sur son intérêt envers les études. Déprimé, il décroche et commence à adopter un style de vie plus anarchique. Jonathan augmente sa consommation de drogue. Sa mère s'inquiète et tente de chercher de l'aide professionnelle. J'en avais parlé à un psychologue quand j'ai fait tous mes appels. Je lui disais que Jonathan, il y avait des conversations du genre « il y a trop de monde sur la terre, il y a trop d'auto, ça n'a pas de bon sens. » Puis on m'a répondu, puis à deux reprises, « Faites-vous-en pas, madame. Les jeunes de cet âge-là, ils parlent rien que de ça. » Le monde me disait, « On peut pas intervenir. » Puis il y en a même qui m'avait répondu, « La seule chose qui pourrait vous aider, c'est que si jamais il fait quelque chose d'anormal, de pas correct, appelez le 911. » Puis je me dis, « Voyons, appelez le 911. » En 2008, une lueur d'espoir semble poindre à l'horizon. Jonathan fait la rencontre d'une fille dont il tombe follement amoureux. Il retrouve un bonheur qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. La même année, il s'inscrit à une école de boucherie. Les inquiétudes de sa mère s'apaisent. Mais le bien-être de Jonathan est de courte durée. Sa copine souffre d'un trouble de personnalité limite qui la rend instable émotionnellement. Chicanes et réconciliations deviennent fréquentes et pèsent lourd sur le moral déjà fragile de l'adolescent. Au cours de l'interrogatoire, les enquêteurs tentent d'établir un lien de confiance avec Jonathan. Il mentionne aussi aux enquêteurs qu'il a un mal de vivre depuis maintenant au moins 6 mois. Il dit qu'il avait envie de se suicider, qu'il était tanné de vivre. 6 mois avant le meurtre, Jonathan et sa copine ont une terrible dispute. Il s'était chicané avec sa copine parce qu'elle voulait s'en aller, puis elle m'a appelé. Puis elle m'a dit, « Sonia, Jonathan, je pense qu'il est en crise. Je m'en vais, puis il veut pas. Puis il est en train de casser des affaires dans la maison. » Puis
Là, j'ai demandé à sa copine, est-ce que t'as peur? Puis elle m'a dit non, mais il va pas bien. Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit, on va aller le trouver. Puis là, ben, mon conjoint de l'époque m'avait dit non, on va pas le trouver. T'appelles le 911, c'est le temps, c'est long. Fait que j'ai appelé le 911 et ça m'a pris tout mon change. La mère de Jonathan appelle à l'aide et demande aux autorités de se présenter à l'appartement de son fils afin de lui porter secours et de s'assurer qu'il ne commette aucun geste grave. Elle se rend également chez Jonathan pour soutenir son fils en état de crise. Même s'il n'a jamais usé de violence à l'endroit d'un proche, se pourrait-il que Jonathan Dulac souffre de troubles mentaux qui le conduiront à commettre le meurtre de Kevin Duquet? Après avoir cherché plusieurs fois du secours afin de venir en aide à son fils en détresse, la mère de Jonathan Dulac se résout à avoir recours aux policiers. La femme est déchirée par sa décision. Lorsqu'elle assiste à l'intervention policière, elle ne peut réprimer sa peine. Il m'a regardé, il avait pas l'air de comprendre. J'avais l'impression de le trahir. Fait que j'ai embarqué dans l'auto de police avec Jonathan, puis j'ai essayé de le rassurer, puis de dire que ça allait bien aller, puis que c'était juste pour évaluer s'il faisait une petite dépression ou quelque chose. Les policiers conduisent Jonathan à l'hôpital, où on le soumet à plusieurs examens. Les médecins concluent qu'il ne souffre d'aucune pathologie. Et dès le lendemain, il reçoit son congé. Je me suis dit, ben donc, il n'y en a pas de solution, il n'y en a pas. Jonathan, va falloir qu'il vive sa peine, puis qu'il vive ça tous les jours, puis qu'il essaye d'être heureux tout seul. Puis j'avais l'impression d'avoir aucun pouvoir, de ne pas pouvoir rien faire. 3 mois avant le meurtre, Jonathan devient de plus en plus perturbé. Le 30 septembre, incapable d'endurer plus longtemps ses excès de colère, sa copine décide de rompre avec lui. Ébranlé, il profère des menaces de suicide et d'homicide. Alertée, la mère contacte les autorités une deuxième fois. J'ai rappelé le 911. Puis là, je les ai dit, j'ai mis le paquet. J'en ai mis plus que pas assez pour qu'ils viennent la chercher. Puis je me disais, peut-être qu'ils vont regarder encore, puis qu'ils vont, ils vont faire quelque chose. Ils se sont rendus chez Jonathan et sa conjointe et ont procédé à l'arrestation à l'intérieur des troubles à ce moment-là là, qui leur semblaient de nature mentale pour le conduire à l'hôpital pour qu'il soit examiné par un médecin. Et lors du transport en ambulance, Jonathan a demandé aux policiers de lui tirer une balle dans la tête pour qu'il en finisse. Malgré les idées suicidaires de Jonathan, l'équipe soignante en vient encore à la même conclusion. Il ne souffre d'aucun trouble. J'étais allée le retrouver à l'hôpital. Puis là, il m'a dit, maman, il dit, il faut que tu me sortes d'ici. Parce qu'il dit, je pourrais pas te faire ça. Fait que quand je suis allée voir le psychologue avec lui à l'hôpital, le soir même qu'il est rentré, puis le psychologue, il m'a dit, on peut rien faire, Jonathan, il est correct. Il est juste down. Puis il dit, on a passé un pacte, il atteindra pas à sa vie, puis il fera rien, puis vous pouvez le ramener. Fait que je suis repartie avec Jonathan. Là, à l'hôpital, ils n'ont pas le choix, ils doivent respecter le fait que si la personne décide qu'elle ne veut pas de traitement, elle peut s'en aller. Mais dans le cas présent, c'est un jeune qui allait tellement mal qu'il n'était même plus capable de décider adéquatement pour lui. Il avait besoin de soins. Mais il n'était pas capable de le demander. Pendant les 2 mois suivants, à la grande surprise de sa mère, l'état de Jonathan s'améliore. Je trouvais que là, il prenait du mieux. Il prenait du mieux, il était plus heureux, il était pas encore à sa forme totale. C'est sûr que s'il faisait une petite dépression, c'est pas en 2 mois que tu règles tout ça. Le 4 décembre 2009, 2 jours avant le meurtre, Jonathan emprunte des couteaux à un de ses amis de l'école de boucherie pour se pratiquer avec des outils de travail de qualité supérieure. Il les aiguise.
Deux jours plus tard, alors qu'il doit rendre les couteaux à son ami, le hasard le met sur la route du jeune Kevin. Le 7 décembre 2009, Jonathan Dulac dévoile aux enquêteurs les raisons qui l'auraient poussé à poignarder Kevin Duquet. Intimidation, pensées suicidaires et émotions instables l'auraient fait réagir aux provocations de l'adolescent. Toujours incarcéré au poste de police du parc Victoria à Québec, Jonathan est officiellement accusé de meurtre non prémédité. Qu'il se soit rendu si rapidement dans les 24 heures après l'incident, pour moi, c'est un indice qu'il a réalisé la portée de son geste. Donc, il est sensible qu'il a des répercussions au geste qu'il a posé. C'est aussi un signe qu'il est prêt à en être responsable. Fait qu'on est en présence de quelqu'un qui, malgré la violence de ce qui a été vécu, puis malgré l'ensemble de son développement, c'est encore quelqu'un qui réfléchit. Le 29 janvier 2012, plus de 2 ans après les faits, Jonathan Dulac plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. Le 15 février, il écope d'une peine de prison de 10 ans. Je pense qu'il y a un petit bout d'école de la vie là-bas quand même qui va aider Jonathan à... pas à redresser, mais à apprendre peut-être ce qu'il n'a jamais appris. Là. Le tragique événement restera gravé à jamais dans la mémoire des proches de Kevin. On a vu Kevin. On a naturellement enlevé son drap sur son corps. Il est encore intubé. On a les yeux ouverts. J'ai perdu un petit peu la notion du temps parce que, bon, je le flattais, puis là, on m'avertissait que j'avais pas le droit de le toucher. La mort de Kevin Duquet sème la consternation. Parents et amis se recueillent à sa mémoire chaque année à la Maison des jeunes. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement, de toute évidence, ont été extrêmement troublés de cet événement-là, bouleversés. Pour plusieurs d'entre eux, ça a été un cheminement très, très long avant de cesser de revoir ces images-là, avant de pouvoir penser à leur vie puis se recentrer sur leurs objectifs. Un deuil, c'est difficile à tout âge. Je pense qu'un deuil dans l'adolescence, c'est encore plus difficile parce que notre réseau change beaucoup. Nous-mêmes, on est en changement. Donc, peut-être que nos bases sont un peu moins solides pour passer au travers d'un deuil-là. Donc, pour plusieurs d'entre eux, ça a été un processus très difficile et très long. Mon fils méritait pas de mourir de cette façon-là. Il n'y a pas personne qui mérite de mourir de cette façon-là. C'est pas la violence qui règle les choses. On ne devrait jamais sous-évaluer le danger que représente une simple bravade parce qu'on ne connaît jamais l'état d'esprit de la personne à qui on s'attaque. En présence d'un intimidateur, certaines victimes pourraient revivre des traumatismes et commettre l'irréparable. On se doit d'intervenir, autant auprès des victimes d'intimidation en les encourageant à briser le silence, auprès des intimidateurs pour leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes. Je trouve que Jonathan, même s'il vit des choses difficiles, je trouve qu'on est chanceux. On est chanceux qu'il soit encore là. Vivez le moment présent avec vos enfants. Vivez au jour le jour. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dites-leur que vous les aimez. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?
Le 8 janvier 1995, la noirceur s'installe sur le village de Calumet, non loin de la frontière entre l'Ontario et le Québec. Quelques centimètres de neige viennent de tomber sur l'Outaouais. À 21h16, un appel d'urgence est acheminé au poste de police de la chute. Une dame est en panique au bout du fil. Le préposé lui fait répéter lentement ses propos et l'encourage à retrouver son calme. Le téléphoniste finit par saisir quelques informations. Son interlocutrice, Thérèse Saint-Denis-Bennett, raconte que deux individus armés sont entrés chez elle et s'en sont pris à son mari. Le policier a dit que quelqu'un était entré dans la maison pour voler. Que mon père dormait profondément dans sa chambre. Puis qu'ils ont tiré dessus, dans son lit. On tente d'obtenir plus d'informations sur les assaillants. Mais la dame est en état de choc, à la limite de l'hystérie. Une opération policière est immédiatement mise sur pied. Des barrages sont installés sur les routes autour du domicile des Bennett, rue Prophet Road, à Calumet. On espère intercepter les voleurs en cavale. Une ambulance est envoyée sur les lieux. À 21h35, le véhicule stationne devant la résidence de Thérèse Saint-Denis-Bennett. Elle est sortie sur le balcon de la maison mobile. Elle crie et fait les 100 pas. Elle demande à l'ambulancier de se dépêcher parce qu'elle pense que son mari est en train de mourir. Le contexte dans lequel elle vivait, c'était une maison roulotte. Ça n'avait pas l'air très isolé. Selon nous, il devait avoir froid l'hiver. Ça payait pas de mine. Ça avait l'air un peu délabré. L'ambulancier se précipite dans la chambre. Sur le lit, se trouve le corps immobile d'un homme de 62 ans, Ray Bennett. Son visage, tourné sur le côté gauche, est maculé de sang. L'ambulancier ne met pas de temps à constater que Ray Bennett est décédé. Pour la police, il ne s'agira plus d'investiguer un vol qui a mal tourné, mais d'enquêter sur un meurtre. Qui a bien pu vouloir s'en prendre à ce couple de situation modeste? Pourquoi voulait-on leur soutirer de l'argent? Est-ce une vengeance à l'endroit de Ray Bennett? L'ambulancier revient vers Thérèse pour tenter d'en apprendre davantage. Haletante, elle raconte que deux hommes sont entrés chez elle et ont demandé de l'argent à son mari. Il a refusé, ils lui ont tiré dessus et ils se sont enfuis en voiture. Comme cette maison mobile est située sur une terre isolée, il y a peu de chances qu'un voisin ait pu entendre quoi que ce soit. L'ambulancier tente de calmer Thérèse Saint-Denis-Bennett en attendant l'arrivée des policiers. Ray Bennett et Thérèse Saint-Denis sont tous les deux originaires de l'Outaouais. Toute jeune, c'était une compagne de jeu. C'était une fille polie, bien élevée, toujours souriante. Elle a partagé mon enfance jusqu'à l'adolescence. Thérèse vient d'une famille catholique pratiquante. Elle met fin à ses études très jeune et rêve de mariage. À l'adolescence, moi, j'entreprends mes études secondaires, mais Thérèse ne fréquente plus l'école. Elle commence à fréquenter Ray Bennett. Ray et Thérèse se rencontrent en mai 1956 à Hawkesbury. À 24 ans, Ray Bennett est de 7 ans l'aîné de Thérèse. Issu d'une famille anglicane anglophone, il travaille sur la ferme de ses parents depuis son enfance. Il est très fier de ce patrimoine familial. Le courant passe immédiatement entre eux et ils finissent la soirée ensemble. Ce soir-là, Ray fait goûter de la bière à Thérèse pour la première fois.
complètement sous le charme, Thérèse met de côté son éducation catholique et passe la nuit avec Ray. Bientôt, ils sont inséparables, même si à cause de leur différence d'âge, les parents de Thérèse n'approuvent pas les fréquentations de leur fille. On s'était pas bien perçu par ses parents. Ils voyaient que ça n'avait pas de sens, selon leurs critères. Thérèse Saint-Denis, amoureuse, continue de voir Ray en secret, avec la complicité de son amie, Thérèse Groslot. On connaissait son nom parce qu'elle nous le mentionnait, puis d'où il venait, mais elle ne téléphonait jamais à Ray à partir de chez elle. Elle se rendait chez mes parents, et de là, elle l'appelait. Thérèse décide bientôt de s'installer chez les parents de Ray. C'est là qu'on a vu un changement chez Thérèse. C'était plus la Thérèse qu'on connaissait, elle. C'était plus la Thérèse qu'on connaissait. À partir de ce moment-là, la vie de Thérèse Saint-Denis tourne autour de son futur époux. La minute qu'elle a commencé à sortir avec les liens, là, elle a mis ça de côté. Follement éprise, Thérèse néglige de plus en plus ses proches. Elle épouse Ray Bennett et lui donne coup sur coup 4 enfants. En 1969, le père de Ray décède. Ray hérite de la maison et de la terre. L'année suivante, quand le feu rase la maison, le couple et leurs enfants emménagent dans une maison mobile, installée un peu plus loin sur le terrain. La vie est rude, mais Ray est un homme travaillant. En plus de s'occuper de la ferme, il travaille comme mineur au village de Grenville, dans une entreprise où on exploite un gisement de magnésite. Il travaillait de 8 heures le matin à 4 heures de l'après-midi. Parfois aussi de soir de 4 heures à minuit. Il travaillait fort. Il travaillait sous terre dans une mine. La famille n'a pas beaucoup d'argent et la maison se dégrade rapidement. Malgré tout, Thérèse ne manifeste aucun désir de renouer avec sa famille ou ses amis. On savait comment ça marchait pas, que ça restait d'une roulotte dans un coin perdu, pas de contact. J'écoute, là. Quand les enfants deviennent grands, et malgré la précarité de leur situation financière, les deux époux se permettent quelques voyages au soleil, dont ils semblent profiter. On est pourtant loin des plages, en cette nuit de janvier 1995. Où des gyrophares éclairent l'extérieur de la résidence des Bennett. L'enquêteur de la police arrive vers 21h40. Le patrouilleur de la Sûreté du Québec dresse un portrait exhaustif de la situation. L'enquêteur rejoint Thérèse à la cuisine. Il la questionne sur les circonstances du drame. Elle répète que 2 intrus voulaient de l'argent et qu'ils se sont enfuis en voiture. Elle ajoute à son récit qu'il portait des cagoules. Thérèse est tellement agitée que l'ambulancier suggère de l'emmener à l'hôpital pour qu'elle y reçoive les soins appropriés. L'enquêteur commence alors à examiner la scène du crime. La victime semble avoir été abattue dans son sommeil et n'avoir offert aucune résistance. Cet élément surprend l'enquêteur, qu'il trouve peu compatible avec le récit de Thérèse à propos de voleurs qui se seraient adressés à Ray avant de lui tirer dessus. L'enquêteur examine ensuite l'extérieur de la maison. À part les traces de pneus laissées par l'ambulance et le véhicule de police, aucune autre marque n'est visible sur la neige récemment tombée. Comment les voleurs ont-ils pu prendre la fuite en voiture? On m'a dit que c'était un cambriolage, mais qui aurait voulu voler une maison mobile? Il n'y avait rien qui avait vraiment de la valeur. Autre fait surprenant. Les seules traces de pas visibles sont celles de l'ambulancier qui mène de la maison à l'ambulance. Par contre, à la gauche de la maison mobile, une succession de pas de petite taille partent de la maison en direction d'une piste de motoneige qui passe tout près.
L'enquêteur suit les traces suspectes pour constater qu'elle s'arrête devant un grand sapin. À travers les branches de l'arbre, l'inspecteur découvre une carabine de calibre 22, maladroitement camouflée. S'agit-il vraiment d'un vol qui a mal tourné? Thérèse Saint-Denis Bennett possède-t-elle d'autres informations qu'elle ne divulgue pas aux policiers? Pendant que la police recherche les voleurs qui auraient tiré sur Ray Bennett, son épouse, Thérèse, est traitée à l'hôpital pour un violent choc nerveux. La découverte d'une arme dans la neige et des traces de pas qui y mènent pousse l'enquêteur à remettre en question l'hypothèse du vol, suivi d'un meurtre. L'enquêteur de la Sûreté du Québec annule l'opération policière. Inutile de continuer à chercher des voleurs en fuite dans un véhicule. Il devient urgent de questionner davantage Mme Saint-Denis. À l'hôpital, on lui administre une première dose de calmant pendant qu'on prévient ses enfants du drame qui vient de se produire. J'ai demandé ce qui s'était passé, puis elle m'a dit que quelqu'un était entré pour voler. La fille aînée du couple rejoint sa mère à l'hôpital. Dévastée par la mort de son père, elle tente de comprendre ce qui a pu arriver. She's upset. She's crying. Elle avait l'air très bouleversée. Elle pleurait, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle était hystérique. J'ai écouté son histoire, puis je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça tourne pas rond. Même si Thérèse a souvent de la difficulté à gérer ses émotions, quelque chose cloche. Tous ceux qui connaissent Ray et Thérèse savent que la vie de famille n'a jamais été facile. Thérèse a souffert plus d'une fois du manque d'argent et du caractère explosif de son mari. Oui, elle souffrait beaucoup, cette dame-là. C'est sûr et certain qu'elle souffrait. Oui, parce qu'elle s'habillait sans entraide, elle s'habillait, elle avait jamais une scène. En plus des problèmes d'argent, la jeune Thérèse est très isolée. Ray est possessif et facilement jaloux. Dès le début de leur fréquentation, plusieurs signes laissent croire qu'il pourrait même être colérique. Quand il venait la chercher, c'était en trombe. Elle n'était pas aussitôt embarquée dans l'auto. La portière n'était même pas fermée. Puis là, il criait je ne sais pas trop quoi. Là. C'était pas doudou. Puis il partait en faisant crisser les pneus. Ray ne fait pas qu'être agressif verbalement avec son amoureuse. Un an après leur rencontre, Ray attend Thérèse au bar de l'hôtel qu'il fréquente. Thérèse s'y présente, fièrement vêtue d'une jolie robe de taffetas bleu. Au lieu de la complimenter sur sa tenue, Ray l'insulte et l'humilie. Thérèse a beau se confondre en excuses et lui expliquer s'être mise belle pour lui, Ray déchire sa robe pour être certain qu'elle ne pourra plus jamais la remettre. Je pense que dans les premières années de leur relation, il y a eu de la violence. D'après la façon qu'il se comportait au moment des fréquentations, il ne s'est pas adouci puis devenir un petit mouton là, par la suite. Non. C'est sûr qu'il y a eu d'autres événements. Après leur altercation au bar de l'hôtel, Ray devient plus discret en public. Mais dans l'intimité de leur maison, Thérèse aurait parfois été battue pour ne pas avoir nourri les animaux ou s'être plainte de l'eau gelée dans la maison mobile. Thérèse semble être maintenue dans un état constant de crainte. C'est pas sur des crises conjugales qu'il y a des épisodes de violence, c'est vraiment sur des petites choses. Et donc là, on peut s'imaginer qu'elle marchait tout le temps sur des coquilles d'œufs, qu'elle était toujours un peu vigilante d'un épisode, de qu'est-ce qu'elle allait déclencher, la colère de son conjoint. Une fois, il roulait sur l'autoroute et puis il l'a jeté en bas de l'auto.
Elle s'en est sortie avec des ecchymoses, un bras cassé, quelque chose comme semblable. Ce genre de violence se répète à plusieurs reprises au cours de leur vie commune. En 1978, elle risque d'être fatale pour Thérèse, qui tombe de la camionnette dans la rivière glacée. Cette succession de violences laisse d'importantes séquelles physiques chez Thérèse. Régulièrement, on doit lui injecter un puissant analgésique pour soulager ses douleurs chroniques. Même si les disputes sont nombreuses, les enfants semblent peu témoins de ces épisodes de violence physique. J'ai pas été témoin de violence physique, mais de la violence verbale, ça oui. Il y avait tout le temps de la chicane. Peut-être que monsieur était capable de se contenir dans les faits quand les enfants étaient là. En même temps, c'est pas parce qu'il y a pas de violence physique dans le couple qu'il y a pas de violence aussi. Donc, c'est une femme qui semble avoir été sujette à ce qu'on appelle communément et maintenant dans la recherche le terrorisme intime. Hein. Donc, être isolée de sa famille, de ses amis, elle est victime de violence qui met plusieurs fois sa vie en péril. Donc, plusieurs fois, il la jette en dehors d'une auto qui roule, une fracture cérébrale et ainsi de suite, plusieurs visites à l'hôpital. Donc, c'est vraiment un cas de violence très, très sévère, très grave. L'alcool a été un facteur clé parce que j'ai jamais vu mon père se fâcher quand il était sobre. Jamais. Mais quand il buvait, avant ses 50 ans, c'était l'enfer. C'était pas un endroit où il faisait bon vivre, ça. Il semble que Ray Bennett change complètement de personnalité quand il est ivre. Mon père a déjà arrêté de boire. Mais je pense honnêtement qu'il était alcoolique. S'il prenait une bière, il vidait la caisse. Il pouvait s'en passer pendant des mois, mais s'il en prenait une, ça y était. Quelques reprises, Thérèse tente de quitter le foyer familial. Sa sœur lui avait dit « Viens donc vivre en appartement avec moi, dans mon coin, etc. » Elle était allée pendant quelques mois, mais son mari la harcelait, l'appelait, allait la voir, la menaçait. Fait que finalement, elle est retournée. Elle va plusieurs fois dans les refuges, puis malheureusement, on voit le pattern là, de que quelques femmes victimes de violences conjugales ont souvent de retourner vers leurs conjoints qui sont violents, qui semble être un patron de comportement qui est inexplicable pour quelqu'un qui n'a pas vécu de violence. En même temps, on sait que les femmes restent dans leur mariage violent ou dans leur union violente longtemps, souvent par peur de représailles, par peur d'être tuées si elles quittent ou par peur qu'il y ait représailles sur les enfants. Le fait que Thérèse soit peu éduquée et sans ressources contribue au fait qu'elle retourne auprès de son mari plutôt que de le quitter définitivement. Ça aurait été tellement plus simple si elle avait juste décidé de partir. Elle aurait pu s'en aller. Si les choses allaient si mal pour elle, elle n'était pas obligée de rester. Le soir du 8 janvier 1995, les enfants de Thérèse et de Ray sont mis au courant des terribles événements de la soirée. Malgré leur peine, ils hésitent à croire la version du drame fournie par leur mère. Elle essayait de faire croire sa version, mais je doutais vraiment de son histoire. Elle continuait de parler en disant que je ne comprenais pas. J'ai demandé, mais qu'est-ce que je comprends pas au juste? Elle a dit, oublie ça, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est trouver celui qui a tiré dessus. J'ai répondu que la police s'en occupait, que c'était à eux de trouver le coupable. Sur les lieux du drame, l'enquêteur confirme que les traces de pas qui mènent à la carabine sous le sapin correspondent à celles laissées par les bottes de Thérèse sur le balcon. Une nouvelle version du drame commence à se dessiner.
les épisodes de brutalité qu'a vécu Thérèse auprès de son mari. Pourrait-il lui avoir donné le goût d'interrompre le cycle infernal de la violence qu'elle a subie? Thérèse Saint-Denis a-t-elle finalement décidé de réagir en commettant l'irréparable? Le décès de Ray Bennett, 62 ans, tué dans son lit d'un coup de feu au visage, ne semble plus être lié à une tentative de vol comme l'a raconté son épouse Thérèse. Les traces de pas qui mènent à ce qui pourrait être l'arme du crime, dissimulée dans le boisé derrière la maison, l'identifient comme la principale suspecte. Je comprenais pas pourquoi quelqu'un serait rentré dans la maison, aurait tué mon père devant ma mère, sans s'en prendre à elle. Ça avait aucun sens. Vers 1h du matin, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1995, Thérèse Saint-Denis Bennett est rejointe par l'enquêteur de la Sûreté du Québec, qui veut lui poser quelques questions. Pendant l'interrogatoire, sa version initiale des faits commence à changer. Une autre facette de Thérèse et de sa relation avec Ray émerge. She was a devil in disguise. Ma mère, c'était pas un ange. On dirait qu'elle avait tout préparé. En tout cas, c'est ce que je pense. Son esprit fonctionnait drôlement. Je sais pas si elle était totalement lucide. Il apparaît évident que même si Thérèse subissait la violence de son mari, elle était loin d'être une victime passive. Même si j'ai pas vu de violence physique envers elle, je pense qu'il y en avait. Mais elle aussi était très violente verbalement envers mon père. Il en pouvait plus. Il y en avait assez. Souvent, je l'ai entendu provoquer des chicanes avec mon père. En même temps, d'un autre point de vue, ce qui est assez particulier, c'est qu'elle est décrite aussi comme une femme étant très violente par certains de ses amis, certains de ses membres de sa famille. Et donc là, on a accès à un portrait qui est un petit peu différent de certains autres couples où il y a de la violence aussi sévère. Sa peur des représailles l'empêche de lever la main sur son mari. Mais Thérèse semble avoir trouvé d'autres cibles sur qui passer sa frustration. Ses enfants. Yeah, I've seen her throw knives. Je l'ai déjà vu lancer des couteaux. I've seen her pick up a gun and. Je l'ai déjà vu menacer avec une arme. Threaten. Il y a quelques années, that's going back quite quand je vivais encore à la maison, I was still living at home at the time. J'avais découvert quelque chose qu'elle avait fait, et j'ai voulu le dire à mon père. And I was going to tell my dad about et elle m'a dit. Si tu y vas, je te tire dessus. Tu diras rien. Des fois, c'est moins menaçant d'agresser quelqu'un qui répondra pas. Donc, on est en présence d'un homme qui est très violent, qui menace de la tuer à quelques reprises, qui l'a presque tué à quelques reprises. S'en prendre à lui, stratégiquement, c'est dangereux. S'en prendre à ses enfants, mais eux risquent moins de contre-attaquer, se défendre et ainsi. Donc, on peut penser à un transfert. C'est sûr que la violence, ça réveille ta propre violence. Parce que tu t'es sentie assez impuissante des bouts, là. Qu'à un moment donné, la violence de l'autre t'atteint. Puis tu développes la tienne propre. Les enfants n'ont jamais l'impression de compter pour Thérèse. Il n'y a pas de tendresse entre nous. There never really was. Il n'y en a jamais eu. She's type of mother. C'était pas le genre de mère dont tu pouvais être proche. Parce qu'en fait, elle ne savait pas comment être une mère. She was, pour moi, elle n'était pas une mère. Not a mother. On n'a pas été élevés dans l'amour. Comme c'est supposé. In a loving home, like you're supposed to. Like our friends. Nos amis ne savaient pas ce qu'on vivait. On disait rien. On n'invitait personne à la maison.
parce qu'on savait jamais ce qui pouvait arriver. Il semble que Thérèse se mette à boire dès que Ray quitte la maison. Pendant qu'il travaillait, elle sortait et revenait complètement saoule. Puis, elle essayait de préparer le souper en faisant semblant de rien. Boire jusqu'à l'ivresse devient leur principale activité commune. Le peu de bonheur qu'ils en tirent est rapidement détruit par l'atmosphère de violence que l'alcool installe. Mes parents buvaient beaucoup trop. Je pense que ma mère avait besoin de l'alcool comme prétexte pour argumenter ou pour se chicaner. De temps en temps, ils parvenaient à s'entendre. Et même quand ils buvaient, ça virait pas toujours en chicane. Des fois oui, des fois non. C'est impossible à prévoir. Il y a des couples qui vont consommer ensemble et c'est vraiment une activité conjugale. C'est le moment où ils réussissent à se retrouver. C'est la seule activité conjugale qu'ils ont. Et ça va faire en sorte qu'une fois sobre, ben là, le couple, les individus changent. Hein, et le couple va changer puis survivra peut-être pas à cette période de sobriété-là. Là, à un moment donné, là, je me suis dit, quand je serai face à face avec elle, là, je vais lui demander personnellement. J'ai dit, si tu n'avais pas bu, est-ce que tu aurais poursuivi la relation? Elle me dit non. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité un instant. L'hypothèse, c'est que parce qu'elle consommait, elle est restée plus longtemps dans un couple violent. Ce qui est peut-être vrai, il y a beaucoup de gens pour qui la consommation, c'est un moyen un peu de noyer les humeurs dépressives, d'oublier ses troubles. Pour elle, c'était plus important d'acheter une caisse de bière que d'acheter de la nourriture. Elle disait que mon père avait besoin de sa petite bière, mais c'était faux. C'était pas lui qui en avait besoin. C'était elle. Pour acheter son alcool, Thérèse est prête à tout pour soutirer de l'argent à ses proches. Je pense qu'elle avait peut-être des problèmes mentaux. Avec tout ce qu'elle a fait, toutes les beuveries, les mensonges, les tricheries durant des années, une personne normale ferait pas ça. Parfois, elle emprunte de l'argent à ses amis. Parfois, elle fait les poches de son mari. Il lui arrive même d'imiter la signature de ce dernier pour se faire de faux chèques. Par exemple, si mon père devait payer quelque chose par chèque, elle faisait le chèque, puis lui faisait signer. Mais elle en faisait un deuxième du même montant à son nom, puis elle imitait sa signature. Après ça, elle disait que c'était une erreur de la banque, que c'était pas sa faute. Puis comme mon père manquait d'éducation, ben, il la croyait. Puis elle empochait l'argent. C'était comme ça qu'elle s'en sortait. She's unpredictable. Elle était imprévisible. On ne savait jamais ce qu'elle pensait. Le 8 janvier 1995, Thérèse est mise en état d'arrestation pour le meurtre de son mari. Les traces de pas dans la neige qui mènent à l'arme qu'on suspecte être celle du crime correspondent bel et bien aux bottes que porte Thérèse. On la transfère à Montréal, au quartier général de la Sûreté du Québec. Après plus d'une heure d'interrogatoire, Thérèse fait une déclaration verbale incriminante. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'attendais qu'elle appelle ou qu'elle revienne. Je me souviens plus trop, je pense qu'il était 4 ou 5 heures du matin, quand un policier m'a téléphoné pour me dire que c'était elle qui l'avait tuée. Thérèse décide ensuite de contacter un avocat qui lui conseille de ne rien déclarer d'autre. Elle s'enferme dans son mutisme. Mais il est déjà trop tard. Elle a avoué le meurtre de son mari. Dans quelles circonstances Thérèse a-t-elle tué Ray? S'agit-il effectivement de l'acte désespéré d'une victime qui n'en peut plus de son bourreau? Thérèse Saint-Denis Bennett reconnaît avoir assassiné son mari, Ray Bennett.
mais les enquêteurs doivent reconstituer la succession des événements qui a mené à cette explosion de violence. Ce jour-là, le dimanche 8 janvier 1995, la fille cadette du couple dîne chez ses parents. Thérèse semble ravie de sa visite. Elle prend plaisir à discuter avec sa fille, alors que Ray semble plutôt boudeur. Il faut dire qu'il aurait déjà bu quelques bières et que, depuis sa retraite, un an plus tôt, sa personnalité s'est assombrie. Il n'y a plus rien qui dérangeait mon père. J'ai l'impression que... il espérait plus rien de la vie. À quelques reprises, Thérèse tente d'intégrer Ray à la conversation, mais celui-ci se renfrogne davantage. Souhaitant éviter une potentielle confrontation entre ses parents, leur fille tente de calmer le jeu en suggérant à sa mère de le laisser tranquille. Vers 15 heures, elle quitte la maison. Immédiatement après son départ, il semblerait que Thérèse se soit mise à engueuler son mari pour son attitude lors du dîner. Ce qui l'aurait fâché le plus, c'est qu'il ne l'ait pas attendue pour commencer à boire. Elle aime, à l'occasion, passer l'après-midi à consommer avec lui. Mais cette fois, il aurait pris trop d'avance. Il est vrai de dire que les couples où, généralement, une personne consomme de façon différente de l'autre, donc soit un des deux conjoints qui consomme pas ou qui consomme pas aussi souvent, souvent, ça va créer plus de conflits. C'est ce qu'on appelle des couples discordants au niveau de la consommation. It's possible, that, évidemment, le fait qu'elle buvait beaucoup, elle aussi, ça aidait pas vraiment. Les heures passent. Vers 19 heures, les bières vides s'accumulent sur la table quand Thérèse téléphone à son fils Michael. Désœuvrée, elle l'invite à venir passer la soirée avec eux. Mais Michael refuse, invoquant le fait qu'il est trop tard pour les enfants. Thérèse, déçue, raccroche et s'ouvre une autre bière. C'est alors que Ray lui aura annoncé qu'il avait trop bu, qu'il était fatigué et qu'il allait se coucher. Contrariée, Thérèse aurait manifesté son mécontentement à son mari, mais sans le faire changer d'idée. Il est allé se coucher, probablement après avoir bu quelques verres. Et elle, elle était fâchée parce qu'elle voulait qu'il continue à boire. Ce qu'on sait, c'est que les journées où il y a des grands épisodes de consommation, où les couples consomment plus qu'à l'habitude, les probabilités qu'il y ait un incident violent sont de beaucoup multipliées. Là, on parle de 6 à 13 fois selon certains couples. Deux heures plus tard, vers 21 heures, Thérèse n'aurait toujours pas décoléré. Cette journée ratée aurait réveillé en elle toutes les frustrations vécues au cours de leur vie à deux. Une femme que ça fait un bout de temps, là, que tu te fais violenter, harceler, harcèlement physique, harcèlement verbal. Il doit avoir, à un moment donné, tu dois avoir un haut là, là, tu dois en avoir assez. Moi, elle m'a dit que son mari dormait, puis qu'il n'a pas rien d'idée d'aller le tuer comme ça, de le tirer pour être libre, pour se libérer. La carabine du couple est rangée dans la chambre où Ray s'est endormi. Sur la pointe des pieds, Thérèse va chercher l'arme à feu. C'est très triste parce que c'est sûr que prendre un jugement comme ça, faut être vraiment décidé et puis pas penser deux minutes, là, tu sais. Sans faire de bruit, Thérèse revient dans la cuisine pour charger deux balles dans le fusil. Puis, elle retourne vers la chambre où son mari s'est endormi. Assommé par l'alcool, Ray ne l'a pas entendu venir et continue de dormir d'un sommeil lourd. À partir de la porte de la chambre, Thérèse pointe la carabine en direction de la tête de Ray. Après l'avoir atteint mortellement d'une balle en plein visage, Thérèse affirme avoir crié de toutes ses forces à son mari qu'elle n'avait plus peur de lui.
Elle nous avait dit que ça avait fait comme un recul, là, tu sais, sur son épaule. Et puis, elle était pas plus énervée que ça. Elle était pas... Non, pas énervée de l'avoir tuée, là. Finalement, elle avait comme été soulagée. Thérèse ne va pas vérifier si Ray a survécu ou s'il est mort. Elle sort de la maison mobile, la carabine en main, et se dirige vers le boisé voisin. Thérèse jette l'arme sous un sapin tout près d'une corde de bois de chauffage, puis rentre chez elle, probablement en pensant à ce qu'elle va dire aux policiers. C'est à ce moment que l'idée de deux voleurs armés aurait surgi dans son esprit. Clairement, c'est quelque chose qui semble pas très réfléchi ou salé. Là, on se pose des questions sur justement la naïveté de cette personne-là. Ça a l'air à la fois d'un geste qui est prémédité parce que, bon, elle explique, je suis en train de chercher soit les munitions ou le revolver, puis j'ai peur qu'il se réveille. Puis, donc, ça semble pas être quelque chose qui est très impulsif. En même temps, ça semble pas être un incident qui est bien planifié. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il est planifié? C'est pas clair. Mais est-ce qu'il est bien planifié? Certainement pas. Je pense qu'à la seconde où ça a été fait, elle a paniqué. Et c'est là qu'elle a inventé son histoire, en pensant qu'on la croirait. Mais moi-même, qui n'est pas détective ou policière, je n'en croyais pas. Alors, comment peux-tu penser qu'un professionnel croirait cette histoire-là? Thérèse Saint-Denis pourrait avoir été la victime type qui se retourne contre son bourreau. Mais sa propre violence et le fait que Ray se soit adouci au cours des dernières années risquent de rendre la justice plus ambivalente à son endroit. À l'aube du procès de Thérèse Saint-Denis Bennett, accusée d'avoir tué son mari, les réactions de son entourage sont vives et empreintes de stupéfaction. La minute que j'ai entendu qu'une femme de Calumet avait tiré son mari, j'ai dit « c'est Thérèse ». Automatiquement, ça m'est venu. Oh, je t'assure, le nom t'a même pas sorti. J'aurais jamais pensé que ça pourrait arriver. Je pensais juste qu'un jour, elle s'en irait pour de bon. Je n'étais pas surprise du tout. Des fois, elle perdait la tête après avoir consommé. Il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Le procès s'ouvre devant jury en novembre 1995 au palais de justice de Saint-Jérôme. La défense plaide que Thérèse souffre du syndrome de la femme battue, espérant ainsi un acquittement pour légitime défense. D'être tabassée, d'être insultée jour après jour, la colère monte et peut-être que par moments, on a envie aussi là, de laisser aller de cette colère-là, de passer aux actes, de dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit parce que l'autre nous soumet à une violence importante. Donc, c'est peut-être pas si incompréhensible que ça. De fait, plusieurs d'entre nous, lorsqu'on est attaqué, ont le goût de répondre et de contre-attaquer. Pour soutenir cette théorie, la défense dépose en preuve l'épais dossier médical de Thérèse. En plus d'appeler à la barre des témoins qui peignent un portrait peu flatteur de Ray Bennett. En cours, même si en fait c'était lui la victime, on ne l'a pas traité comme une victime. On l'a traité comme l'agresseur. J'ai senti qu'on faisait le procès de mon père plus que celui de ma mère. Pourtant, c'était elle la criminelle. C'était mon père qu'on devait défendre. Je pense pas que la Cour a bien fait ça. La Couronne prétend plutôt que Thérèse a agi de sang-froid et pleinement consciente de la gravité du geste qu'elle posait. Les enfants du couple, témoins de la violence de Thérèse et ébranlés par la mort de leur père, choisissent leur camp. Elle a invoqué le syndrome de la femme battue.
Mais je crois pas qu'elle était battue autant qu'elle l'a prétendu au procès. Moi, j'ai jamais rien vu. Je l'ai jamais vu se faire frapper ou abuser physiquement. La vraie victime dans tout ça, c'était mon père. Les gens qu'il connaissait savaient qu'il avait changé. Mais elle, elle voulait qu'on continue de penser que ça allait mal. Ce qui est particulier, c'est que, du moins pour ce qui est de la violence physique, elle s'arrête très longtemps avant le meurtre. Plusieurs années. Donc, c'est un cas qui est intriguant parce que on se demande un peu qu'est-ce qui fait en sorte que ce soir-là, elle décide de prendre une arme puis de lui dire « bon, mais j'ai plus peur de toi » puis de le tuer. Le 1er décembre 1995, le jury rejette la thèse du syndrome de la femme battue et reconnaît Thérèse Saint-Denis Bennett coupable du meurtre prémédité de Ray Bennett. J'étais très satisfait du verdict. Il y a une partie de moi qui accepte toujours pas ce qu'elle a fait. Elle nous l'a pas juste enlevé à nous, elle l'a aussi enlevé à ses petits-enfants. Je suis encore très en colère contre elle. Comment une personne peut se rendre jusque-là? Jamais j'ai entendu un mot de remords. Puis je l'ai parlé souvent au téléphone. Je comprenais pas qu'elle me parlait pas, qu'elle le regrettait pas. Mais je pense pour elle, c'était normal. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Même si les enfants du couple ont le sentiment que justice a été faite, leur douleur reste vive. On pouvait pas prévoir. C'est dur à dire. Chose certaine, elle n'était pas obligée de rester si elle n'aimait pas sa vie. Elle aurait pu continuer son chemin. Personne ne l'aurait empêchée de partir. Si vous êtes malheureux, partez. S'il y a de l'abus, partez. Personne ne devrait vivre ça. Je crois qu'ils n'étaient pas faits un pour l'autre. Il y en a qui ne sont pas faits pour être ensemble. Je pense qu'il aurait été mieux seul ou avec quelqu'un d'autre. Quand l'alcool s'ajoute à la dépendance affective, il est difficile de voir clair et de trouver le courage de prendre sa vie en main. Dans cette malheureuse histoire, il semble n'y avoir que des victimes. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?